Ici, les noirs sont échecs, donc par la tour, on l'aura bien vu. Et le coup gagnant est tout simplement tour B5, avec un gain simple, le roi noir qui va accompagner le pion à promotion. Évidemment, on pourrait ne pas penser à ce coup tour B5, parce qu'on perd le pion H7, mais on va vite s'apercevoir qu'après tour H7, il a tout simplement A3. Si on calcule un peu, en fait, le gain noir est immédiat. Par exemple, tour A7, roi B3, et ça gagne tout simplement en accompagnant le pion A. Ici, on aurait pu tenter aussi tour A5. Et sur tour B7, échec, roi A4, tour B1 pour arrêter le pion, A2, tour A1, et roi B3 afin de jouer roi B2, qui gagne. Remarquez au passage que les blancs n'ont pas pu contre-attaquer sur le pion. J'ai ici la tour noire étant bien placée.